Bonjour à tous et je vous remercie de votre attention aujourd'hui. Je suis Daniela et je vous présente mes recherches sur l'astronomie. Alors, que nous dit la morphologie des galaxies et les procédures pour identifier les lacunes dans nos simulations actuelles? L'univers est composé de nombreux objets, composé de poussière, de gaz, de matière noire, de trous noirs et de millions d'étoiles. Les galaxies sont certains des plus grands objets cosmiques observés dans l'univers. Notre objectif est de comparer des images de nombreuses galaxies différentes à des simulations générées par l'ordinateur pour déterminer si des fonctionnalités importantes manquent encore aux simulations. Maintenant, j'explique le concept du décalage vers le rouge. C'est une mesure de la façon dont les rayons de lumière des objets lointains s'étirent au cours du chemin vers la Terre. Et par conséquent, le décalage vers le rouge est une mesure de la distance des objets. Dans mes recherches, l'image des galaxies dont je me sers est celle du champ profond extrême de Hubble. En anglais, c'est Hubble Extreme Deep Field, XDF. Cette image combine les observations du télescope spatial Hubble depuis 10 ans. Elle contient plus de 5 500 galaxies dont la lumière a mis jusqu'à 13,2 milliards d'années pour atteindre la Terre. Et ces galaxies sont jeunes, petites, en formation et fusionnant avec d'autres. Dans les deux images en bas, à gauche, on peut voir la taille de l'image XDF par rapport à la Lune, et à droite, c'est l'image XDF. Mais ce que nous recevons de cette image des galaxies, c'est leur répartition lumineuse. Afin de mieux comprendre la morphologie des galaxies, il faut aussi s'intéresser à leur masse. Mais comment ferions-nous cela si nous ne voyons que leur lumière? Voyons maintenant les simulations des galaxies. Ces simulations utilisent les lois physiques connues, par exemple les interactions gravitationnelles et la thermodynamique, pour générer des modèles de la répartition des composantes des galaxies. Ces répartitions incluent les masses attendu des composants ainsi que la lumière aux longueurs d'onde différentes. Voici, on voit une simulation de l'évolution d'une galaxie. J'ai calculé les rayons demi-lumière et demi-masse pour la simulation d'une galaxie au décalage vers le rouge 2. Ces deux rayons sont les ouvertures qui contiennent la moitié de la lumière et de la masse respectivement. Même s'il n'existe aucune de galaxie réelle correspondante pour cette simulation, cette analyse nous permet d'accumuler l'information de la relation entre la masse et la lumière au décalage vers le rouge varié, et par conséquent aux étapes différentes de l'évolution des galaxies. À poursuivre ce travail, ces comparaisons seront faites sur plus de galaxies simulées ainsi que sur celles de l'image XDF. La tendance de la relation entre les rayons demi-masse et demi-lumière aux valeurs du décalage vers le rouge varié est démontrée dans ce graphique. Cette tendance est ce que nous attendons à trouver dans notre recherche pour les simulations. Les objectifs de cette recherche sont de mieux comprendre la morphologie des galaxies et d'identifier les lacunes dans nos simulations actuelles. Merci.